Eh bien, nous y sommes. Bonjour Sandrine, bienvenue à tous, bienvenue au rendez-vous du Chalet XL. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine qui est coordonnatrice au recrutement à l'international au Cégep Beauce-Appalaches. Sandrine, je suis ravie de te voir aujourd'hui avec nous. Ça me fait plaisir. Eh bien, bonjour Christelle, tout à fait. Ben, moi aussi, très, très, très heureuse de partager ce moment avec vous pour pouvoir vous parler un peu de la belle région de la Beauce et de son Cégep. C'est bien que tu parles de ça parce que justement, tu vas le situer avant de parler du Cégep même, tu vas le situer parce que on entend et le français entend beaucoup parler de Montréal ou de Québec, mais si on dit Beauce-Appalaches, on entend moins ça. Donc, dis-nous un petit peu où est-ce que tu te situes. Ah, ben écoutez, la Beauce, c'est pas comme un peu. Si on fait une similitude avec la France, là, c'est pas la Beauce française, c'est vraiment la Beauce québécoise. Donc, c'est difficile de ne pas s'en souvenir. Déjà d'entrée de jeu, on va dire ça comme ça. Comparativement à Montréal puis à Québec, ben, la région de la Beauce, donc, c'est ce qu'on appelle une micro-région. Hein, la ville principale, ça va être la ville de Saint-Georges, où se trouve le campus principal du Cégep. Et nous sommes à 1 heure de la ville de Québec. Hein, la ville de Québec est la capitale nationale. Alors, c'est sûr qu'on est beaucoup plus loin de Montréal, hein, parce qu'on est à 3h30, 4h de route de Montréal. 1 heure de la ville de Québec, mais tout ça, ça se fait très bien par de belles autoroutes. Puis, on n'est pas si loin situé de la frontière canado-américaine, puisqu'on a l'État du Maine, qui est à 45 minutes, 1 heure également de notre établissement, hein, de la ville de Saint-Georges. Donc, on est comme bien situé, on est comme pris en sandwich entre les États-Unis, finalement, et puis la ville de Québec. Donc, je dirais la proximité des gens, la proximité de la nature, tout en ayant tous les avantages, je dirais, des villes, puisqu'on a tous les services commodités à proximité, mais sans en avoir les inconvénients, pas d'embouteillage, pas de pollution, les coûts des loyers moins chers, enfin bon, le temps passe. Non, c'est bien de le situer. Puis moi, quand je parle des régions, et tu sais, l'affinité que j'ai avec les régions du Québec, je le dis toujours, c'est bien souvent là qu'on a les plus belles opportunités, hein, en emploi, mais même dans tous les services d'accueil. Alors, loin de moi de dire qu'il n'y a pas ça dans les grandes villes, mais il y a de très, très belles opportunités en région et on est au coucouné, je pense, un peu plus. Ben, c'est sûr que c'est plus petit. Donc, la notion, je dirais la caractéristique des bosserons, hein, ce qui m'a marqué chez les bosserons, parce qu'on est en train de devenir bosseronne, nous. Hein, on est française à l'origine, réunionnaise même, je dirais. Puis, on s'adapte à une nouvelle région où les gens sont effectivement accueillants comme partout au Québec. Hein, pour moi, pour avoir voyagé partout au Québec, je peux vous assurer que, quelle que soit la région, les Québécois sont accueillants. Mais effectivement, la Beauce a ce petit truc qui fait que on retrouve une région axée sur l'entrepreneuriat, donc des gens qui veulent innover, qui veulent se tourner vers des projets où on est où on va toujours se mettre des petits défis, des petits challenges, et donc c'est le royaume de la petite et moyenne entreprise ici, et effectivement ça fait un terrain de jeu intéressant pour ceux qui veulent venir y travailler, se former et travailler après, ou alors, pendant leurs études, pouvoir travailler également. Donc, on a des milieux de stage très intéressants et concurrentiels, tout ça sans avoir nécessairement à redéménager ou à repartir. Donc, c'est vraiment un bel endroit. Je dirais, moi, c'est mon nec plus ultra. Après avoir vécu plus de 10 ans à Québec, c'est beau Québec, mais la région de la Beauce, c'est pas mal non plus. C'est super, c'est bien. Moi, on ne va pas revenir sur ce qu'est un cégep parce que tous ceux qui nous suivent, et même si vous ne nous suivez pas, il y a des capsules faites pour ça. Hein, on vous explique, évidemment, le cégep, ce n'est pas quelque chose qui est commun en France, mais allez voir nos vidéos qui expliquent ce qu'est un cégep. On va rentrer tout de suite dans le cœur du cégep Beauce-Appalaches. Sandrine, est-ce que tu peux nous parler des programmes qu'on trouve chez toi au cégep et qui sont ouverts au francophone en francophone, et puis l'intérêt qu'il y a sur certains de ces programmes-là. Ben, écoute, chez nous, on a 17 programmes, en fait, 17 filières de formation qui sont ouvertes à l'international. Donc, c'est sûr qu'il y a, vous allez probablement trouver sur notre site internet deux programmes comme santé animale et ambulancier qui, malheureusement, ne sont pas encore ouverts à l'international. Ce sont des nouveaux programmes, donc ils sont d'abord mis à l'essai. Donc, ceux-là, on ne va pas en parler nécessairement, mais c'est toujours bon de le savoir. Donc, on a 17 programmes et puis dans ces 17 programmes, on va les distinguer en deux zones, hein, puisque vous avez pu voir ce que c'était la distinction
donc des différents programmes, types de programmes dans un cégep. Donc, on a des programmes préuniversitaires. Donc, on a 8 programmes préuniversitaires en art visuel. Donc, on a en art, lettres et communication, en création média, en langue. On a les sciences de la nature, on a les sciences humaines avec enjeux et défis mondiaux, avec une option sur le marché et la mondialisation, avec une option sur les perspectives psychosociales. Puis après, on a les programmes techniques. Donc là, également, on a 9 programmes techniques. Et on va y revenir sur les programmes techniques. Pourquoi j'ai une petite préférence pour les programmes techniques, surtout lorsque je m'adresse aux Français. Donc les programmes techniques, ben, on a les soins infirmiers. Hein. Les besoins sont mondiaux. Au Québec, on n'échappe pas à la règle. Puis la qualité de la formation et l'accessibilité à la formation est quand même très facilitée au Québec, en notant qu'on ait les prérequis académiques. Ensuite, on a du génie industriel, on a du génie civil, on a tout ce qui touche à la comptabilité-gestion. Et la particularité de notre cégep, on est le seul à proposer la comptabilité-gestion aussi en cheminement bilingue. Donc, vous avez le choix. Soit vous faites le cheminement bilingue en français, soit vous faites le comptabilité-gestion en français, soit vous faites le comptabilité-gestion en cheminement bilingue. Vous avez l'informatique, non, évidemment, avec très axé programmation, avec possibilité de... C'est un peu l'informatique où on voit, c'est assez transversal, on voit tous les niveaux, tous les domaines. Donc, c'est très intéressant et c'est aussi ce que les entreprises recherchent, des gens plutôt polyvalents. Pour ce qui est... d'autres programmes comme le design d'intérieur, puis après les programmes plus humains, donc avec technique d'éducation à l'enfance, technique d'éducation spécialisée. Puis on a aussi une attestation d'études collégiales qu'on offre au cégep. C'est assez rare, ça s'appelle l'attestation d'études collégiales en pilotage d'avion, donc commercial ou privé. Alors c'est sûr qu'on n'est pas du tout... C'est une formation qui est à part, parce que le coût de la formation est assez particulier, mais au travail, on est en collaboration avec une entreprise d'aviation qui s'appelle Grondaire Aviation. Donc, finalement, tous ces programmes-là se donnent sur... On a 3 campus, hein, donc notre campus principal qu'on voit derrière moi, hein, où on a 1200 étudiants qui se trouvent ici. Et puis après, on a 2 autres campus, plus petits, plus confidentiels, dont un qui est à Sainte-Marie, qui est plus proche de la ville de Québec, à 30 minutes, où on va retrouver l'ensemble des programmes préuniversitaires, mais aussi tout ce qui touche à technique d'éducation spécialisée, et puis comptabilité gestion bilingue. Donc, puis après, on a le campus de Lac-Mégantic, qui accueille actuellement une centaine d'étudiants. Donc, vous voyez, Sainte-Marie, le campus de Sainte-Marie va accueillir 500 étudiants à la rentrée prochaine. Il va être tout un beau complexe, tout mis avec des murs végétaux. Enfin, c'est magnifique, c'est vraiment, ça va être beau. Je pense que la personne qui va être à la tête du campus va vraiment se régaler à encadrer le campus. Et les jeunes aussi, bien sûr. Puis le campus de Lac-Mégantic, qui est plus petit, très familial, c'est axé sur le lac, donc, où la nature est très, très présente. C'est plus confidentiel, mais l'ambiance est différente. C'est un peu nos programmes d'études dans les différents campus. Super. Enfin, en tout cas, c'est riche. C'est riche. Qu'est-ce que tu peux dire ? Parce que finalement, tu sais qu'on touche tous les publics. Hein, on touche aussi bien des étudiants, donc peut-être des parents hein, qui vont voir cette vidéo-là et puis qui se posent des questions de savoir... Où vont-ils envoyer leurs enfants après leur baccalauréat, c'est souvent le cas, mais aussi des fois on a des personnes plus âgées, hein, j'ai pas dit vieilles, j'ai dit plus âgées, t'es d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'âge, vous pouvez accueillir hein, tout le monde, et comment ça se passe, alors si on a quelqu'un qui est intéressé, qui nous regarde et puis qui dit ouais tiens il y a peut-être des choses intéressantes, je pense que déjà, quoi, ils vont sur ton site, ils vont voir ce qu'il y a, ils prennent contact. Alors, je le dis toujours, ils peuvent prendre contact avec nous. Évidemment, on te fait suivre les candidats. Mais comment ça se passe? Après, tu les reçois, tu fais quoi? Comment c'est concrètement? Ben, c'est ça. Donc, justement, je vais revenir un peu, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, parce que ce que tu dis est vraiment au niveau de qui vient étudier finalement au Cégep Beauce-Appalaches. On est assez particulier. Peut-être par mon profil aussi. Moi-même, comme je l'ai dit tantôt, je suis française, donc je suis arrivée avec un cursus d'immigration par l'emploi. Arrivée par l'emploi, puis arrivée par la formation, c'est différent. Donc oui, notre particularité au Cégep Beauce-Appalaches, on accueille des étudiants, effectivement, des élèves qui se cherchent un projet post-secondaire, comme tu le disais.
Donc, on a de l'expertise là-dedans, mais on a aussi beaucoup d'expertise pour l'accueil des familles. Des familles, pourquoi? Parce que des gens qui veulent immigrer ou tenter l'aventure québécoise, mais ne savent pas comment, puis c'est jamais trop tard pour prendre ses études. Et ça, c'est la vérité. Moi, je suis arrivée au Québec, j'avais 35 ans, puis j'ai repris mes études, j'ai eu mon diplôme à 40 ans, certes, mais parce que je travaillais à temps plein à côté. Donc, c'est ça qui est formidable, c'est finalement offrir la possibilité aux gens qui se disent, ben, pourquoi pas quitter. Et tant qu'à quitter mon environnement actuel et de rebondir sur quelque chose, ben pourquoi pas se réorienter, se réinventer et du coup, ben, de faire une formation. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais des formations techniques et je mets de l'emphase là-dessus parce que le bénéfice pour un étudiant français, c'est vraiment de venir sur de la formation technique. Parce que finalement, surtout si vous êtes en réorientation, en reconversion, mon doyen, a 45 ans aujourd'hui. Puis l'année prochaine, la personne qui va arriver, j'en ai qui vont avoir même 50 ans. Donc, c'est plus rare, mais notre moyenne d'âge à l'heure actuelle d'étudiants internationaux que nous accueillons, elle s'élève à peu près, elle tourne autour de 27 et 30 ans. Donc, c'est assez intéressant parce que d'abord, ben, on a des générations qui se côtoient dans les classes. Donc, ça, c'est le fun. Ce n'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on a la science. Ce n'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on ne peut pas apporter nos choses non plus. Et vraiment, une opportunité de déboucher. Alors, ben, comme on est spécialisé dans différents, je dirais, types de personnes hein, qui viennent soit étudier, soit se reconvertir, soit, ben, on apporte une attention très particulière à la préparation du projet. Donc, comment est-ce que je fonctionne? Ben, moi, l'essence même de venir étudier au Cégep Bois-Appalaches, qu'on a mis en place, c'est d'abord avoir la bonne information. Donc, on met en place des conférences, beaucoup de conférences sur ben, le Cégep, les programmes d'études, parce que l'enjeu, ça va être réussir votre programme. Donc, effectivement, si la personne, elle arrive dans un programme qui lui correspond, donc il faut qu'on ait ce travail qui soit fait là, sur, c'est quoi ton profil, puis on va venir échanger. Donc, on fait une conférence pour avoir de l'information générale. Après, les gens ont la possibilité de prendre une entrevue, prendre un rendez-vous individualisé avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour vraiment travailler le projet tissé serré, parce que le besoin d'un étudiant de 20 ans ne va pas être le même que d'une famille qui va arriver avec un conjoint ou avec des enfants. Donc, c'est les questionnements. Hein. On s'imagine, la question pour une personne qui reprend les études, c'est, ben, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est compliqué? Ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'école. Est-ce que je viens avec mes enfants, mais ils vont aller où à l'école? Est-ce que ça leur prend des papiers particuliers? Il y a du stress là. Donc, nous, on est là pour faire descendre la pression et vous démontrer que ça fonctionne. Et on a beaucoup de gens, on va vous faire rencontrer. Donc, des gens, une fois que vous serez admis, donc la prochaine étape, une fois que le projet est préparé, on fait sa demande d'admission. On fait sa demande d'admission sur une plateforme qui s'appelle le SRAC, où vous allez trouver plein d'autres établissements et vous irez chercher le Cégep Bois-Appalaches, vous choisissez votre programme, vous faites votre demande d'admission. Ben, il y a des frais à défrayer, bien entendu, hein, les coûts de demande d'admission, ça tourne autour de 60 $, 70 $ canadiens. Donc, à partir de là, ensuite, une fois que vous avez votre lettre d'admission, ben, est-ce que vous êtes admissible? Ça, c'est la prochaine question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis admissible? Ben, à partir du moment où vous avez un baccalauréat en France, sachez-le, vous avez un bac, qu'il soit général, technique, technologique ou professionnel, vous êtes admissible au Cégep. Le défi, bon, pour les jeunes de 20 ans, pas de problème, on devrait retrouver ces bulletins de notes. Mais pour les gens qui ont 30, 40 ans puis qui veulent se remettre, le défi ça, pour vous, ça va être de retrouver vos bulletins de notes. Parce que nous, il faut qu'on se table là-dessus. Donc, on va vous demander vos bulletins de notes de seconde, de première, de terminale. Et on va votre relevé de bac, votre relevé de notes du baccalauréat. Si vous avez fait des études universitaires, vous mettez le paquet dessus. Plus on en met, mieux c'est. Puis, en fait, peu importe le programme, si vous êtes admissible au Cégep, maintenant, est-ce que vous êtes admissible dans le programme que vous aurez choisi? Ben, si je prends l'exemple au niveau des techniques, soins infirmiers, ben on va regarder, vous êtes admis, vous avez votre bac, très bien. Est-ce que vous avez réussi votre physique en seconde? Est-ce que vous avez la moyenne de votre physique en seconde? Est-ce que vous avez la moyenne en chimie? Est-ce que vous voulez aller en génie civil, pareil, donc là, ce sont plutôt des techniques plutôt scientifiques. Donc, est-ce que vous avez réussi votre physique de seconde? Avoir réussi, c'est avoir la moyenne 10 hein, sur 20. Et est-ce que vous avez réussi vos mathématiques de première? En génie industriel, en comptabilité gestion, en informatique, c'est trois autres domaines où on va simplement regarder. Vous avez votre bac? OK. Ah, vous avez réussi aussi vos maths de seconde? OK, parfait.
vous serez probablement admissible au cégep. Vous avez 99% de chances d'être admissible. Après, on a des techniques qui ne nécessitent pas de notes spécifiques dans des domaines. Puis ces techniques-là, je vais vous les donner. Au niveau des techniques, c'est le design d'intérieur, c'est la technique d'éducation à l'enfance et technique d'éducation spécialisée. Pas besoin, vous avez votre bac, banco, c'est parti. Après, pour tout ce qui touche au programme préuniversitaire, les arts visuels, les arts, lettres et communication, il n'y aura pas de préalable particulier. Quand évidemment, si vous voulez aller en sciences de la nature, ben, ça va vous prendre vos mathématiques de première et votre physique de première. Si vous voulez aller en sciences humaines, ben, ça va vous prendre vos mathématiques de seconde minimalement. Donc voilà un peu pour les conditions d'admission. Finalement, si on comprend, on est admissible au DEC si on a le bac. Si on ne l'a pas, ben, il faut avoir finalisé au moins sa première. Okay? Donc quelqu'un, je prends un exemple. Tu vas me dire, ben, moi, je suis sortie du système scolaire, ça fait déjà 10 ans, puis j'ai eu un BEP en telle affaire où je n'ai pas terminé mon bac. J'ai le niveau bac, mais je n'ai pas le bac. Mais un niveau au Québec, ça ne marche pas. Il faut avoir le diplôme ou pas. On l'a ou on n'a pas. Par contre, si vous avez, on va regarder quand même, en tout cas, vous avez fait 11 ans d'études, on va quand même vous donner une chance et évaluer le dossier. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va regarder. Donc grosso modo, c'est ça au niveau des admissions, ce que je pourrais te dire. Après ben, on rentre dans un processus d'accompagnement. Et là, donc si vous êtes admis, ben, vous avez le Saint Graal. Et là, avec nous, vous allez avoir au moins 5 ateliers avant d'arriver. Au mois de mars, on commence. On commence sur comment faire ces démarches administratives. Ensuite, on a un atelier, un spécial famille. Vous venez en famille, vous avez 1000 questions avec vos enfants et votre conjoint. Est-ce que mon conjoint va pouvoir travailler? Comment? Qu'est-ce? Est-ce que mes enfants, dans quelle classe ils vont aller? On va vous mettre en contact avec des étudiants, parents, nos étudiants qui sont aussi parents aujourd'hui, puis ils vont pouvoir échanger avec vous. Ça, c'est le fun parce que ce sont des attentions qu'on a développées avec les années et qui font le succès, hein, très sincèrement. Donc, c'est ce qui fait le succès, la réussite des gens, d'être bien préparés en amont, puis je pense que toi et moi, on parle la même langue là-dessus. Au niveau de la préparation, on ne fait pas d'économie ni de temps. On donne du temps. Mais moi, mes ateliers, c'est minimalement 2 heures. Là. Non, mais c'est bien. Tout ce que tu évoques, Sandrine, c'est fort, c'est important parce que je te rejoins sur ce que tu as dit en dernier. C'est vrai que ce qui nous rapproche, c'est qu'on ne s'économise pas. Et on attache une grande importance à l'accompagnement, puisque moi, je le dis toujours, la posture est très importante pour le Français qui va partir, quel qu'il soit. Être prêt, c'est important. Être accompagné, ça l'est encore plus. Et je sais qu'au Cégep, vous faites un travail de fou, et c'est appréciable parce que voilà, on a ce relais-là qui est bien cher et qui est bien fort pour nos étudiants qui arrivent, et c'est super. Je rebondis sur ce que tu as dit quand ben voilà, il y avait des personnes qui sont un petit peu plus vieilles qui rentrent sur des decks et l'angoisse que ça peut générer derrière ça. Et c'est vrai que ben, la difficulté, c'est toujours de retrouver ces relevés de notes-là et c'est toujours très compliqué. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce temps-là, de rechercher, parce qu'on y arrive souvent, hein, très souvent à les retrouver, soit parce qu'ils sont encore à la maison, soit parce qu'ils sont chez papa, maman, soit parce qu'on peut redemander auprès de son lycée ou auprès de l'académie, en tout cas, des relevés de notes qui sont là. Alors, des fois, quand c'est trop éloigné, on a du mal, mais c'est rare que ça ne soit pas possible, hein, en tout cas. Et puis, je te rejoins de dire... Voilà, montez votre dossier, il faut en parler et puis il faut le présenter parce que c'est sûr que si vous avez juste peur et que vous ne faites pas l'action, ben on peut pas étudier derrière les possibilités et elles sont nombreuses, comme tu le disais, sur 3 ans d'études dans un cégep pour une famille. C'est un enjeu, mais c'est considérable d'opportunités par la suite sur le projet de vie pour être au Québec. Parce que ça va vous donner un diplôme qui est reconnu. Hein, c'est pas, on est bien sur un diplôme reconnu, donc ça va vous donner quelque chose de très important sur le territoire. Je le dis toujours, quand on parle d'un BEP, d'un CAP, d'un BTS au Québec, on parle chinois aux entreprises, et c'est bien légitime. C'est pour tout le monde pareil. Mais à l'inverse, quand vous allez dire que vous avez un DEC, ben là, tout le monde se comprend et là, c'est plus la même histoire. Donc, c'est en ça que c'est super.
Comment, combien de temps avant faut s'y prendre, Sandrine, par exemple, quelqu'un qui verrait, qui va voir, qui a trouvé une formation, qui est intéressé. Les périodes d'inscription, c'est quoi? Ben, les périodes d'inscription, en fait, nous, dès le 1er septembre de chaque année, la plateforme d'inscription, d'admission, de demande d'admission est ouverte pour les étudiants internationaux jusqu'au 1er mars. D'accord? Les étudiants français peuvent aussi pousser. Là, je vois que la plateforme est toujours ouverte jusqu'au mois de juin. Moi, personnellement, toujours dans un esprit de bien préparer son projet et de... Parce que si on démarre dans l'angoisse de ne pas avoir ses papiers, ça ne démarre pas bien. Donc, moi, j'encourage les gens à dire, allez jusqu'au 1er mars, si vous avez le temps. Si ça ne fonctionne pas, mettons plus tard dans le mois de mars pour pouvoir avoir votre papier début avril, pour pouvoir démarrer les papiers d'immigration. Parce que le processus ne fait que commencer. Hein, donc, finalement, moi, ce que je recommande aux gens, si vous avez déjà, ben, faites votre demande d'admission dès le 1er septembre pour la rentrée de août prochain. Donc, ce qui fait que à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Généralement, les délais de traitement, c'est 20 jours ouvrables pour avoir sa réponse au niveau de l'admission. Et après, vous avez des papiers d'immigration à faire, il faut penser. Donc, en France, actuellement, et c'est sous toute réserve de fermeture des bureaux et de la COVID et compagnie, mais on parle de à peu près 20 jours de traitement pour la première étape du certificat d'acceptation du Québec. En jours ouvrables, donc un mois. Et après, on parle aussi de 20 jours ouvrables pour le permis d'études. Donc, ça va plus ou moins vite. Donc, il y a des documents à aller chercher, donc la biométrie à effectuer, etc. Donc, ça, ce sont des processus où vous allez avoir de l'accompagnement, du suivi, des conseils, pas du conseil, mais des recommandations par rapport à ça. On a une personne qui est qualifiée chez nous, qui est en train de passer son examen, donc qui va aussi pouvoir vous aider dans ces parcours-là. Donc ça vient aussi beaucoup faciliter les démarches. Alors, on ne les fera pas à votre place, mais on va vous aider on va vous supporter là-dedans. Tu sais, quand tout à l'heure tu parlais du DEC technique, bon, une fois qu'on a déterminé la période pour faire sa demande d'admission, on a compris que c'était entre maintenant et puis le mois de mars que ça doit se passer. Mais j'aimerais ça revenir, moi, sur le DEC technique. On parle de 3 ans. Il ne faut pas prendre peur. Moi, là-dessus, je tiens à démystifier la durée des études. Parce que dans la tête de quelqu'un, repartir aux études 3 ans, ça fait peur. Donc, et c'est là où moi, c'est pour ça qu'on fait des entrevues, beaucoup avec les gens, puis on explique. Ce n'est pas 3 ans d'études, ce n'est pas 36 mois d'études. On parle de 6 sessions. Une session d'études, c'est 4 mois de cours. OK, 4 mois de cours dans une session. Mais là, dans le fond, quand on regarde, il y a 2 sessions par année. Ben, sur une année, ça fait 8 mois de cours. 8 mois de cours, ben, il reste encore 4 mois. Donc, vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 4 mois-là? Et bien là, banco, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 4 mois? Ben, au Cégep, dans nos programmes d'études techniques, on a ce qu'on appelle la formule alternance travail-études. Et cette formule alternance travail-études, ben, elle se déroule, contrairement à ce qu'on connaît en France où c'est une semaine cours, une semaine à l'école, une semaine en entreprise, chez nous, c'est compacté, c'est 8 à 12 semaines de stage à partir du mois de mai jusqu'dans l'été, puis ça peut souvent déboucher, et souvent, ça débouche en emploi. Parce que le marché, comme je vous le disais, le taux de chômage dans la région de la Beauce est en dessous des 4%, okay, au moment où on se parle et en situation de COVID. Donc, vous voyez, les besoins de main-d'œuvre sont là, les entreprises sont avides de ça. Donc, l'avantage, donc quand vous y pensez, c'est finalement 24 mois de cours. Et bien souvent, la particularité du système québécois, on parle de cours axés sur la pratique. On développe nos compétences sur du savoir-faire et du savoir-être. Donc, résultat des courses, ben oui, vous allez avoir une petite portion de tronc commun un peu pénible, hein, mais ça, il va falloir le faire. Dans tout métier, on fait toujours des jobs qu'on n'aime pas, mais il faut quand même le faire. Et mais 80%, ça va être vraiment ce que vous aimez faire. Vous aimez la comptabilité, vous allez manger de la comptabilité dans toutes les formes. Vous aimez l'éducation à l'enfance, tout ce qui touche à l'éducation à l'enfance, vous allez pouvoir être au cœur de ce qui vous intéresse. Et bien ça, généralement, la dernière session, la 6e session d'études, hein, donc, les derniers 4 mois, ben ça, souvent, vous êtes 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Donc, dans le fond, là, vous n'êtes pas si souvent que ça aux études. Puis, c'est des petits groupes. C'est beaucoup dans la pédagogie de compétences. On échange, on monte des projets. Donc, il ne faut pas avoir peur pour ça.
Non, c'est bien que tu démystifies cette partie-là, elle est très importante et moi je la comprends. Qu'est-ce que tu as en retour d'étudiants? C'est quoi les opportunités à l'issue? Tu as des retours de tes étudiants? On parlait des familles, je sais pas, hein, par exemple, qui sont venus, qu'on fait le choix de faire s'investir sur ces 3 ans. Ils sont tous placés, ils sont tous restés. Comment ils sont? Tu as un peu de retour par rapport à ça? Ah ben tous, c'est pas tous, on ne peut pas dire de tous. Les familles, il faut savoir que les familles réussissent mieux leur parcours. Pourquoi? Ben, parce que c'est une question d'âge, de maturité, je pense. C'est sûr qu'entre quelqu'un qui va arriver, qui va porter le dossier familial, que tout leur projet d'immigration va tenir sur le fait de diplômer, parce que l'enjeu majeur pour les familles, le porteur de dossier, ça va être celui qui va venir aux études. Grâce à son permis d'études, ben, papa ou maman va pouvoir venir avec le permis de travail. Et puis, les enfants vont eux aussi aller aux études. Mais si maman ou papa qui est aux études ne réussissent, parce que c'est lui qui porte ou elle qui porte le dossier, s'il ne réussit pas son parcours, ben, ça vient casser un peu tout le projet derrière. Donc, moi, j'ai observé, hein, ça fait plus de 12 ans que je suis dans, plus de 13 ans même que je suis dans le métier. J'ai eu l'occasion d'encadrer plus de 3000 étudiants de l'île de la Réunion qui sont venus au Québec étudier dans les cégeps, dans des formations techniques avec qui j'ai gardé d'excellents liens. Effectivement, on s'aperçoit que la majorité des gens, une fois qu'ils diplôment, ben, ils sont intégrés au marché de l'emploi en autant qu'ils veulent rester. Il y a un paramètre sur lequel, très sincèrement, on ne pourra pas miser, mais je pense que ça, on peut le travailler dans la préparation. C'est l'adaptabilité. Une personne qui n'est pas là pour les bonnes raisons. Ça, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons, ce n'est pas un projet solide. Moi, tout le temps, je vais vous questionner pourquoi tu viens. Pourquoi tu pars? C'est quoi qui te motive? Sans cesse, pour se rattacher, parce que des coups durs, il va y en avoir là. Hein, quand il fait... Là, on est dans le printemps, arrive, quand on regarde, les oiseaux chantent, la neige fond, on est très heureux. Des fois, quand on arrive au mois de novembre, décembre, puis qu'on voit que la neige est déjà rentrée vers le mois de novembre, et là, on se dit, ouh, il y en a au moins jusqu'au mois d'avril. La famille est loin, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas retourner. Mais là, en plus, dans la situation de Covid, je ne vois pas de dessin, c'est encore pire. Donc, si on n'a pas de quoi se rattacher sur quelque chose de... Parce que qu'est-ce qui nous a poussé à partir? Ben, ça va être compliqué. Mais on est là, on a toute une équipe qui se mobilise autour des gens pour justement les accompagner là-dedans. Et pour nous, au Cégep Beauce-Appalaches, on a des... À chaque période, c'est dans une session, il y a ce qu'on appelle la session de la relâche. Donc, la session d'automne, ben, on a au mois d'octobre, là, on a commencé les cours en août, puis au mois d'octobre, il y a ce qu'on appelle la semaine de lecture. Ben, on profite de cette semaine-là pour rencontrer les étudiants individuellement, comment ça se passe, on a les notes. Hop, on voit que ça ne va pas bien au niveau des notes. C'est souvent... On vient vous chercher un peu sur comment ça se passe au Cégep, mais aussi à l'extérieur. Donc, parce qu'on se soucie, l'intégration fait partie des choses. Si vous arrivez à avoir une intégration dans le milieu qui est bonne, par l'implication avec du bénévolat ou une implication en emploi, ça va vous aider beaucoup. Après, il ne faut pas se tromper de projet. Okay, je bavarde beaucoup, moi, si tu ne me coupes pas, tu es foutu. Hein. Non, c'est bien, tu fais les questions, les réponses, Sandrine. J'adore. Non, mais c'est tout est pertinent, donc c'est super. Non, puis tu seras d'accord avec moi quand je prépare les candidats, je leur dis toujours, c'est juste pas possible que vous ne puissiez pas travailler au Québec. Hein, tu l'as évoqué tout à l'heure, le taux de chômage est tellement bas. Alors, je dis toujours, j'ai jamais dit que c'était facile, que le chemin n'allait être juste bordé de plein de belles choses. Non, il y a des choses compliquées, puis il y a des remises en question. Mais justement, c'est en ça qu'il faut être préparé. Mais quand on dit, des fois, il y a beaucoup d'étudiants qui me disent, oui, mais alors, est-ce qu'on va trouver du travail? Je lui dis, c'est juste pas possible que tu en trouves pas. Si, en tout cas, accompagné par nous, je peux pas l'entendre parce que vous êtes prêts à ça. C'est-à-dire que vous partez pour les bonnes raisons. Donc, forcément, vous allez être humble, vous allez être courageux et puis vous allez comprendre ce que c'est qu'une intégration. Donc, du travail, vous allez en trouver et c'est comme ça que l'intégration se fait. Tu le disais très bien tout à l'heure. Les périodes en entreprise, les périodes de stage, les périodes... Et c'est ça qui va vous faire rentrer et il n'y a aucune difficulté à trouver du travail après vos formations, quelles qu'elles soient. Donc ça, je voudrais rassurer encore et encore, je le dis souvent, mais si vous avez la bonne posture et le bon travail en amont,
Mais il n'y a que des belles choses. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas travailler. Il faut travailler fort. Il faut travailler fort dans ses études. Il faut travailler fort sur son attitude et sur son intégration. Mais en fait, c'est que des bonnes choses qui arriveront parce que le marché de l'emploi est là. La manière dont les Québécois fonctionnent, où on disait tout à l'heure, on est beaucoup sur le savoir-faire et le savoir-être, bien à l'envers de ce que nous, on fait en France. Donc, quelqu'un de courageux et qui part pour les bonnes raisons, bah, c'est sûr. C'est ça, c'est sûr que c'est un boulevard. Donc, c'est clair qu'on peut que... Tu sais, on parle d'attitude. Ça me fait penser qu'on a un atelier, nous, pré-départ, 2 heures sur l'attitude. Quelle attitude? Les clés du succès de mon projet de mobilité, parce que c'est un projet de mobilité, quel qu'il soit. Et on aborde vraiment cette notion d'attitude, les clés du succès. Là. Donc, on est vraiment en plein dedans. C'est super. Sandrine, tu as quelque chose à ajouter pour... Non, mais écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment quelqu'un de passionné. J'ai des gens avec moi qui travaillent, qui sont passionnés, qui sont là depuis longtemps en boss. Faites confiance à préparez votre projet, faites confiance aux équipes pour pouvoir vous accompagner dans votre questionnement, pour bâtir votre projet. Des fois, un projet... Ça part juste sur une idée, puis on va mettre 2 ou 3 ans pour le mettre en place. Mais il n'y a pas de problème, on va le faire, on va vous aider là-dedans. Puis là, comme je vous ai dit, la région de la Beauce, c'est difficile à oublier la région de la Beauce. Quand vous allez entendre Beauce, vous allez dire, c'est pas la Beauce française. Ah, mais oui, c'est la madame, qui n'est pas québécoise avec son accent français, mais qui se trouve en Beauce. Donc, écoutez, je peux que vous encourager à venir. Ce n'est que des histoires à succès. Il y a très peu de mauvaises expérience. Et quel que soit, même si on parle d'un retour, sachez une chose, c'est que vous allez avoir découvert sur vous-même. Donc, même si on repart à la maison, ben, on va savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Donc, mais on va avoir découvert et appris sur soi. Donc, il n'y a aucun risque que ce soit un échec en dehors du fait que vous ayez la bonne attitude pour amorcer les choses. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez, si vous voulez voir tout ce que Sandrine a évoqué en matière de programme, bien sûr, vous pouvez aller sur le site du Cégep Beauce-Appalaches. Vous pouvez aller sur le site d'Objectif Québec dans Étudier. Dans l'onglet Étudier, le Cégep y figure. Vous pourrez tomber sur leur site aussi, sur notre application Objectif Québec également. Et puis, évidemment, on vous accompagne en toute collaboration et on met toutes nos forces pour vous emmener le plus loin possible. Merci beaucoup, Sandrine, pour toute cette richesse. C'est toujours un plaisir de travailler, de collaborer avec toi. C'est que du bonheur. Donc, j'encourage tout le monde à au moins prendre de l'info et, comme tu disais, amorcer les choses parce que c'est des bonnes choses qui arrivent derrière. Exact. Bah, écoutez, moi, je vous donne un rendez-vous à mes prochaines webconférences qui vont démarrer le 1er septembre. Super. Voilà. Merci à tous. Et puis, à bientôt dans les prochaines capsules des rendez-vous du chalet.